Ok, on va démarrer. Donc, si vous voyez. Voilà, on y est. Donc, c'est un trou. Il y a un énorme trou là. <laughs> euh, on est en Russie et il y a un gros trou. Voilà, vous voyez là tout de suite le kanji pour trou qui se prononce en lecture Kun hein? Anna. Hein? Pas Hana la fleur, hein? Anna le trou. Ok euh, et on va, voir, on va en apprendre un petit peu plus sur ce trou euh, dans, cette, euh, dans ce joli article donc euh, je vous ai mis la lecture des kanji donc il ne devrait, de, devrait pas y avoir de gros pépins euh, et puis bah, on, va, on va commencer à lire tout ça on va commencer par le titre donc on a des jolis katakanas roshia no tsuchi ni dekita ana de Ok, donc on a le trou là, Anna, et avant tout ce qui est là, ça sert à préciser, des, nous donner des informations sur ce trou ou ces trous. Hein. On ne sait pas si c'est au singulier ou au pluriel à ce stade. Donc, l'Oshia, c'est la Russie. L'Oshia, hein. Russia. L'Oshia, no kota ni. Donc, ni qui va nous indiquer un endroit, un lieu précis où s'est passé. Euh, quelque chose où il y a eu visiblement du, du mouvement où il y a le trou a priori donc euh, avant-ni on a tsuchi la terre c'est un mot assez simple c'est le dos de doyobi tsuchi la terre et donc cette terre qui est en Russie elle est kota kota ça veut dire congelé d'accord euh, ça vient du verbe koro là qui est mis au passé kota kota tsuchi la terre qui était congelée en Russie, un hein, roshiano, la particule «no» qui indique l'appartenance. Donc roshiano kotatsini dekita okina ana. Ana le trou. Okina ana, donc c'est une autre forme de oki, oki adjectif variable, okina forme invariable. Donc le, un grand trou précédé du verbe dekita. Et là vous allez me dire mais c'est le verbe d'équilu » qui veut dire je peux faire quelque chose, pouvoir faire quelque chose, certes, mais ça a aussi un autre sens. C'est le fait que quelque chose est arrivé, que quelque chose s'est formé, que quelque chose voilà a parvenu est parvenu à euh, apparaître. Donc là, en, en l'occurrence, c'est donc le trou, les grands trous qui se sont formés dans des, des terres congelées qui étaient congelées en Russie, ok? Donc ces trous, ils sont en Russie, dans, euh, sur des terrains euh, qui étaient, euh, étaient euh, congelés, donc euh, en dessous de zéro. Drone de Shirabele. Drone. Vous avez sans doute une idée de ce que ça veut dire, puisque c'est du katakana, et ça veut dire un drone. Ok Donc drone des Shirabele. De, la particule qui indique le moyen, euh, donc au moyen d'un drone, qu'est-ce qu'on va faire au moyen d'un drone Shirabele, eh bien on va le sonder. On va aller en voir un petit peu plus pour en apprendre davantage. Chielabellus c'est un verbe très commun qui veut dire en apprendre plus sur quelque chose. Donc le titre, ça veut dire en gros qu'on va utiliser des drones pour aller sonder les grands trous qui se sont formés sur des terres glaciales en Russie. On continue. Ok. On va partir de la fin. Mitsukateimas. C'est le verbe Mitsukaru à la forme te iru en poli, donc Teimas. Mitsukateimas. Donc on a quelque chose qui devient visible ou qui est devenu visible à un certain moment. Cette chose c'est le trou, les trous. Hein. « Okina ana » comme dans le titre. « Okina ana ga mitsukatte Donc, des trous, des grands trous sont apparus, sont devenus visibles. Quand ça En 2014. « nisenjuyonen, yonen hein. »« Kara » À partir de 2014. Ok Donc, à partir de 2014, des grands trous euh, sont devenus, euh, sont devenus visibles, sont apparus euh, en Russie, et là on a plus de précision. Donc, Roshiano no Yamaru Hanto ya Shiberia Nado. la Russie, no Yamaru Hanto. Alors ça, j'ai dû regarder où c'était, parce que je ne connaissais pas trop. Hein. Ma géographie russe n'est pas, euh, pas irréprochable. Donc, Rochia no Yamaru Hanto, ha, Hanto, c'est une péninsule, littéralement la demi-île. Hein. Vous voyez, c'est le kanji, là il se prononce en lecture euh, on. Toro, mais sinon ça se prononce Shima. Ça ressemble un peu au konji tori euh, qui veut dire l'oiseau, mais vous euh, voyez la différence, c'est la montagne en dessous, hein, et non pas les quatre petits points, et c'est Shima l'île. Hanto, la demi-île, la moitié d'île, c'est une presqu'île. Yamal-Hanto, c'est la presqu'île de Yamal en, euh, en Russie. Il y a Chibéria. Donc également en Sibérie, Nado. Donc on voit que là c'est pas exhaustif. Hein. C'est en Sibérie et sur la péninsule de, de Yamal, mais sans doute à d'autres endroits aussi en Russie. Koutatszinga, donc la terre congelée qu'on a vue dans le titre. Koutatszinga, Hirogaru tokoro de. Donc Koutatszinga, Hirogaru tokoro de. De wa", Pardon. Donc dans des endroits où Hirogaru, un hein, Tokoro c'est un endroit, un lieu. Euh, pour ceux qui me rejoignent sur Insta, ça se passe sur twitch.tv slash Kotatsu-chin ga Hirogaru Tokoro. Donc des endroits où s'étend, où se, se propage, hein, Hirogaru, s'étendre, se diffuser, euh, des terres congelées. Donc en gros des endroits où on trouve de la terre, de la terre gelée. Ça sans, il y a sans doute un bien meilleur terme géographique pour dire la terre congelée, mais voilà. Euh, donc on, en, on sait plus précisément où se trouvent ces trous. 7 17 Ok. Là, on a la suite du titre, puisqu'on a le verbe shiraberu » qui est repris. Shirabemashita. Hein. Donc, on a euh, poursuivi euh, les études, on est allé chercher quelque chose. On va regarder plus ça dans le détail. Roshiano Kenku Chima. Team, c'est du, euh, du katakana, et c'est l'équipe. Hein. Ça vient de l'anglais team. Roshiano Kenku ça veut dire l'équipe de recherche kenkyu", hein, vous avez sans doute vu ça dans vos manuels de japonais jo hein, le bureau de recherche donc l'équipe de recherche russe roshiano puisque elle, elle appartient à roshian roshiano team a cette équipe russe qu'est-ce qu'elle a fait ok donc là on voit que euh, o, c'est la particule pour indiquer le COD, hein, pour indiquer le complément d'objet. Là, c'est le complément d'objet de Shirabemashita. Donc, tout ce qu'on a avant, là, ça vient nous indiquer, nous préciser notre COD. Donc, là, le COD de Shirabele, donc ce, qu a, ce que l'équipe a étudié, c'est quoi Ananonaka. L'intérieur, hein, là c'est naka qui veut souvent dire le, le milieu, mais l'intérieur, hein, donc à l'intérieur du trou, euh, djunana ko mais non ana. Et là on vous sait combien il y en a, euh, il y en a des trous, c'est qu'il y en a 17. Djunana ko. Ce ko c'est un compteur en japonais, donc en, en japonais vous savez que les compteurs ça vient compléter les chiffres quand on les utilise avec un certain type euh, d'objet. Hein. Par exemple les personnes 1, 2 3 personnes, Hitori, Futari, Sannin. Et eh bien le compteur pour des choses généralement euh, pas forcément aussi grosses que ça, mais des choses plutôt rondes, euh, c'est ko.' ana kome non ana. Donc le 17e trou hein, euh, ou euh, voilà donc à l'intérieur du 17e trou, euh, Puisqu'on est là sur Djunanakomen no nonaka, Et ensuite, on a des informations supplémentaires sur euh, ce trou. Kyonen, l'année dernière, Shigatsuni, en juillet, Mitsukata. Donc, qu'on a trouvé, hein, qui est devenu visible, hein, qu a, qui s'est formé, en gros. Donc le 17e trou qui s'est formé l'année dernière en juillet, hein, puisqu'on voit que ça date de 2014, toutes ces histoires. Donc dans ce trou-là, à l'intérieur de ce trou-là, on a envoyé un drone. doron, Otskate. Dron Otskate. Littéralement en utilisant, hein, c'est la forme suspensive, la forme en T de Tskae, utiliser un drone. Donc l'équipe de recherche russe. russe a utilisé un drone pour effectuer des recherches à l'intérieur du 17e trou qui s'est formé euh, l'année dernière en euh, qui s'est formé l'année dernière en euh, en juillet effectivement mai hein, qui est l'œil sert à indiquer euh, le, euh, le fait que, comme tu demandes, Mouloudiator, hein, sur le chat, sur Twitch, euh, c'est le 17e, effectivement. Ichiban hein. me, niban me, le 2 le 3 Donc, c'est une autre utilisation de ce, de ce kanji et de ce mot, qui n'a rien à voir avec l'œil. Soit dit en passant, salut Mouloudiator. Kono wa chokke 30m ぐらいで穴の一番下には横に広がる大きな穴があることがわかりました。Oh! Donc là, ça devient complètement méta puisque on a des trous dans les trous. この穴は、trou, hein, こ,のこの穴はチョッケイ 25m。Donc là, vous avez peut-être une idée de ce que ça veut dire: チョッケイ c'est le diamètre, d'accord han HANKEI, donc HAN qu'on a vu tout à l'heure avec la la moitié, hanke ça veut dire le radius, le, le rayon hein, d'un cercle. Là, c'est le diamètre. Donc, ils font quand même 25 mètres de diamètre. Hein. Vous voyez sur la photo, là, c'est grand. Donc, 25 mètres de diamètre. SKASA, 30 METRES GURAI Fukasa, la profondeur. C'est l'adjectif Fukai qui a été substantivé en mettant Fukasa. Je dis un petit Royaud à Habib Kems sur Insta. Rejoignez-moi sur twitch.tv slash pour tout comprendre au texte qu'on est en train de regarder. Fukasa, 5 mm, Gurai de. Gurai, ça veut dire environ. Donc, il a environ. 30 mètres de profondeur, des. donc là, c'est la forme suspense 10 de DE ce de hein, donc on est, on est dans la description donc de, de, de ce trou, et après, on va ajouter d'autres informations. ANA NO SHITANIWA Mon littérateur, je ne sais pas quel kanji tu me faisais référence, je verrai peut-être après, tu me diras. ANA euh, NO <laughs> Donc, Anano Ichiban Shita. Donc Ichiban numéro 1, le maximum. Ichiban Shita. Donc tout en bas. Hein. Tout en bas de ce trou. Anano ana Ichiban Shita niwa. Yoko ni. Donc niwa. Hein. On voit que là, euh, voilà, on a eu des descriptions. Puis là, on change de thème. Hein. On change un peu de, de cadre hein, avec niwa. Et, euh, et on passe où on passe, on est vraiment dans le, tout au fond du trou, là, visuellement. Yoko ni hirogaru okina anagaru Et là, la dernière proposition, elle est intéressante. On a une formule qu'on trouve dans plein d'articles, notamment quasiment tous les articles sur Newsweb Koto ga wakarimashita. Littéralement, ça veut dire « on a compris quelque chose ». Ah, je vais demandes de participation sur, euh, sur Insta, je j'y réponds pas à celle-là. Si vous voulez me rejoindre, c'est direction twitchtv slash Euh, koto ga wakarimashita, donc le fait de comprendre quelque chose. Hein. wakaru au passé, wakarimashita. Koto ga quelque chose est devenu compréhensible. Alors, euh, par rapport à ta question, mon auditeur dans le chat sur Turquet, euh, non, ce n'est pas Ochiele, euh, c'est Choke euh, qui veut dire euh, direct, hein, comme dans setsu directement. Euh, ça peut aussi s'utiliser euh, pour euh, vouloir dire, euh, si je dis pas de bêtises, euh, ouais non, enfin voilà. Mais donc c'est ouais, setsu directement, Turquet. Le euh, voilà. Tu peux le voir aussi peut-être dans Nedan. Euh, Kotogawa Karimashita, on a compris quelque chose. On a compris quoi On a compris que Anagaru, qu'il y avait un trou. Donc il y a encore un autre trou, hein, un autre Okina Anagaru. Okina Anagaru Kotogawa Karimashita. On a compris, on a découvert qu'il y avait un grand trou, et il est encore précisé par la proposition d'avant. Yoko ni Hirogaru. Yoko ni Hirogaru Okina Anagaru Kotogawa Karimashita. Et Yoko, c'est le côté, hein, le côté, Yoko ni Hirogaru. On l'a vu, Hirogaru, donc qui se développe, hein, qui s'étend sur le côté. Euh, ben on a vu qu'il y avait un autre trou qui s'étendait sur le côté du trou. Donc, euh, donc voilà, c'est encore plus grand que ce qu'on pouvait penser initialement. Kono yona okina anawa. Kotatsu no naka no gasu GA Bakuratsushite Kita Kano Senga Arimasonga. Bon. On va partir du début cette fois. Kono Yona Là c'est plutôt clair. Hein? On a Kono hein? Yona. Yo c'est l'aspect, le l'apparence. Donc Kono Yona ça veut dire de tel. De hein? cette sorte de. Donc cette, de tel. Euh, de, de tels trous de grande taille, hein, ce genre de trous de très grande taille, de très grande dimension, ce genre de grand trous, Kotachino Nakano On a encore Kotachino, donc la terre congelée, hein, la terre gelée, no Nakano Le gaz gasseux à l'intérieur de euh, contenu dans ces terres congelées. Ok Donc, le gaz à l'intérieur de ces terres congelées, ga, donc ça va être le sujet de ce qu'il y a après. Bakuhatsu shite dekita. Bakuhatsu, c'est l'explosion. Hein? Bakuhatsu, bakuhatsu sur, ça veut dire exploser. Donc, Bakuhatsu c'est Bakuhatsu suru. Dekita. Donc, là, c'est le même dekiru, dekita que tout à l'heure, le fait que quelque chose est apparu, quelque chose s'est formé, quelque chose est devenu possible. Hein. Euh, et euh, c'est devenu possible, c'est apparu euh, parce que il y a eu une explosion hein, du gaz contenu à l'intérieur des terres congelées. Voilà, mais tout ça en fait, là hein, jusqu'à Dekita, hein, de Ko Tatsuchi no Gasunga bakuhatsu Dekita, ça vient préciser le mot d'après Kano Se Kano c'est la possibilité. C'est basé sur l'adjectif invariable kano. Kano na. Kano na koto, c'est quelque chose qui est possible. Fukano, ça veut dire le contraire, quelque chose d'impossible. Kano se, c'est la possibilité. Kano se ga arimasu. Il y a une possibilité. Et ensuite, ga. Donc tout ça là, ça veut dire. Donc. Ce genre de très grand trou, il est possible qu'il se forme suite à l'explosion du gaz contenu à l'intérieur des terres congelées. Mais, hein, on a un gars d'opposition, mais, yoku imasen. et là, ça ressemble à tout ce que les apprenants en japonais disent sans arrêt, c'est-à-dire, on ne comprend pas. Yoku, bien, hein, c'est I en forme adverbiale, yoku, mada, pas encore. Donc on ne comprend pas encore avec certitude, on ne comprend pas encore parfaitement, on ne sait pas encore euh, avec exactitude si euh, comment se forment ces trous, même s'il y a une probabilité, une possibilité qu'ils se forment suite à l'explosion du gaz contenu à l'intérieur de ces terres congelées. Voilà. On arrive presque à la fin, vous êtes bien accrochés, merci à vous. Euh, pour ceux qui sont encore sur Insta, ça se passe sur twitchtv Kenkyu team no hito -wa. Donc là, on retrouve les hito, les personnes de l'équipe de recherche. Kenkyu team no hito wa. Chikyuu no ah, et là, on est dans le réchauffement climatique. Donc, on a ouvert, hein, vous voyez la marque des guillemets, hein, on a ouvert une citation qui va se terminer là. Donc, on va euh, regarder ce que nous racontent les membres de, du groupe de recherche. « Chiku no kiyonga gate »« Chiku », c'est la Terre, hein, notre Terre. Pas euh, « tsuchi », la Terre, euh, le sol, mais « chiku », notre planète, hein, la planète Terre. Donc, cette planète Terre... Donc, ga agatte", la température de la planète Kionga-agate, elle monte. Hein, vous voyez, c'est le kanji pour monter au-dessus. Donc, parce que la température de la Terre augmente, donc à cause du réchauffement climatique, hein, on dirait sans doute dans un langage un petit peu plus complexe, kotatsinga, la Terre congelée, ga tokete. Tokeru donc vous voyez c'est un gars qui marque le sujet donc c'est le sujet du verbe tokeru et là on va regarder les petites notes ce que tokeru, ah bah c'est bien là il nous met le kanji hein. euh, c'est un kanji dans la prononciation on et kai que vous pouvez trouver dans euh, bunkai par exemple, analyse euh, ça veut dire donc ils disent c'est je vais juste euh, essayer d'afficher les... voilà musunde aru mono ga quelque chose qui est lié qui est emmêlé se sépare et la deuxième définition c'est qui est le ça veut dire qui disparaît ok donc là on a en gros la terre euh, congelée qui en raison du réchauffement climatique se, se détache se sépare un peu hein, elle devient plus lâche elle devient plus euh, elle devient moins rigide et ouf. ils disent même toquete yowaku nattimas donc elle se, elle se dissout un peu, je ne sais pas comment dire, elle se détend. Yowakunate imasu. Yowai, ça veut dire faible. Hein. C'est le contraire de tsuyoi, qui veut dire fort. Donc, la, la terre devient plus, euh, voilà, moins, moins dense. Yowakunate hein. Elle devient plus, euh, plus lâche, on dirait sans doute, euh, à cause de, de, du réchauffement climatique. Ananga dekitagenyo motto shirabetai to omoimas. Là on a une forme en tai hein, to omoimas. C'est-à-dire le volitif. Shirabetai euh, on aimerait bien, j'aimerais bien faire encore plus de recherches to omoimas. Donc to omoimas je pense que mais tai to omoimas ça veut simplement exprimer la volonté de façon polie. Hein. On aimerait bien euh, si c'était possible, on aimerait bien poursuivre nos recherches et comment ils veulent les poursuivre. Hanaga dekita kita genin wo moto shirabetai. Hanaga dekita, donc la formation, on a vu hein, avec euh, Dekiru, Dekita tout à l'heure. Hanaga dekita gen'i, Genii, c'est la raison. Hein? La raison euh, fondamentale. Hanaga, euh, pardon, hana. Moi-même, je fais l'erreur. Hanaga dekita gein. O, donc la raison euh, fondamentale pour la, la formation de, de ces trous. Euh, tiens, Hanami me demande combien de temps j'ai passé au Japon sur Insta. J'ai passé six mois au Japon au total dans ma vie. Mais je n'y suis pas allé depuis pas mal d'années. Anang <laughs> a d'équita Donc la raison, euh, le, le facteur principal, la cause principale de la formation de ces de ces trous. Euh, o, le COD motto encore plus c'est un adverbe la beta et to on aimerait on aimerait bien, on aimerait bien euh, faire plus de recherches. to it là on a on a fermé la citation et to it il nous dit cela voilà donc on a euh, on a des euh, on a euh, des énormes trous qui se forment euh, en russie euh, ils font 25 mètres de diamètre c'est pas du tout flippant, hein c'est pas du tout la fin du monde, mais, euh, mais ça y ressemble quand même un petit peu, hein, les amis. Donc, euh, donc voilà, faites tout ce que vous pouvez, euh, faut rien lâcher euh, dans la lutte contre le réchauffement climatique, sinon bah voilà quoi. Voilà un petit peu ce qui nous attend peut-être. En tout cas ce qui attend euh, la, les steppes euh, gelées de Russie. Euh...